Mais qu'il est où, le soldat Collins? Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Terminator Résistance, et nous sommes sur les traces de notre ami Collins, qui a disparu en suivant un étranger dans une usine. Colin, where are you? Can you hear me? Quiet! I'm following that guy. Something's not right about him. Quelque chose ne tourne pas rond avec ce gars-là. Je me demande ce que c'est. Évidemment, tous ceux qui ont déjà vu Terminator ont déjà la réponse. Bon, avant d'avancer, hein, il y a deux trois trucs à récupérer. C'est pas transcendant non plus. Hein. Il n'y a pas de truc important, on va dire, ici. Colin, talk to me, Colin. Alors, combien on parie qu'il est mort? Combien qu'on parie? God damn it. Ah, je pense que... Non, attendez, c'était... Voilà, t'es là dans ton... Ah oui, non, c'est encore pire, on voit encore pire. Ah, son M16, bon, on va le récupérer, sûr. Oh, et regardez qui est contre le mur, là. Contre le poteau. C'est Collins! Jacob Rivers, marked for termination. Are you all right, Jacob? Jacob! Je suis gentil, je ne vais pas vous laisser là. Sinon, ça serait vraiment abusif de ma part. Mais du coup... Première rencontre avec un infiltrateur, l'étranger nous a sauvés, mon dieu, mais qui est l'étranger? Oh là là, si vous avez deux neurones, vous avez déjà compris. C'est pas compliqué, mais c'est joliment fait. Enfin, c'est joliment fait, attendez, j'accroche ma montre et j'appuie sur entrée. Hours later, they found me lying in front of our hideout. I made it out alive. Not all of us did. Colin's dead, and the stranger I saw is nowhere to be found. I told them about everything. I said that it wasn't safe for them to be with me. But Jennifer suggested that right now, nowhere is safe, so we might as well stick together. Everyone pulled through as we prepared for the worst. But nothing happened. Jacob? Are you awake? How long have you been sitting there? Not that long. I know that you're going to that hospital today, so I went on my first scavenging run. And I found something for you. Thank you. You're welcome. Did you go with your sister? No. As soon as Erin heard that there's a hospital nearby, she asked Jennifer to go look for some medicine. So I went alone. Don't tell her that, okay? She's already at the medical district? Yep. Oh, and Ryan wanted to talk to you. Heat from a plasma rifle cauterized the wound. That's why he's not bleeding. But damage to the skin made the burn prone to infection. That's what we need to worry about. Wow. You're really smart. I learned all that before the war. And thanks to Judgment Day, I didn't even have to pay off my student loan.
les pré-étudiants, ce fléau. Et du coup, la planque, deuxième fois qu'on revient dans la planque, donc il n'y a pas grand chose qui respawn, juste les deux portes qu'on a déverrouillées. Et du coup, on va aller jeter un œil au petit supply, voir ce qu'ils ont. Et bon, ils ont un fusil à pompe. Si vous l'aviez loupé, alors on va vendre le M16 de Collins. Enfin, je dis M16 de Collins, mais il n'y a vraiment aucune différence là. Alors, je vais prendre les crochets 80 cartouches niveau. Ouais, niveau munitions, grenades, kit 200, on est bien. On est bien pour la suite, donc on va juste prendre ça. Ah, ça je l'ai peut-être loupé dans la première vidéo. Niveau craft, ah oui, alors niveau craft, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner de la place? On peut faire 10... 22, j'en ai 9. Ce que je vais faire, c'est que... j'en ai 11, je vais en faire 9. Comme ça, hop. Niveau des munitions, en fait, là, en fait, ce qui me dérange un peu, c'est que ça va prochainement servir à rien de faire des munitions d'armes conventionnelles. Donc, est-ce que je me casse le cul ou pas? Je vais faire des kits de soins. Ça, c'est rien. Ah, je peux faire. Bon, vous savez quoi? Hop, comme ça. On est tranquille niveau crochet. On n'a pas à en acheter. Ça nous fait masse XP. Et au pire, si on en a besoin, on vend. Donc on va aller parler à Irene. Morning. Patrick came to me earlier, asking if I thought you'd like his present. When I saw that it was a single bullet, I wasn't sure if he was being helpful or if it was a warning. I figured he didn't appreciate you looking at his sister like that. How's Mark doing? Not great. We barely have any medicine left. But hopefully, Jennifer will bring back some antibiotics from that hospital. How do you feel about Colin's death? What do you want me to tell you? That I feel guilty? That I care? Right now, I'm a little more concerned with the living than the dead. Do you think you could help more people by joining the Resistance? Honey, maybe ask me that question when you finally find them. Because for now, I don't think they even exist. About that camp. What do you want to know? What work did you do there? Most of the time, I moved bodies for disposal. Sometimes their skin would be peeled off. Oh, it was horrific. Why would machines ever do that? My cellmate, Karen, was pregnant. I knew that was a one-way ticket to the grinder. So I had to plan an escape. Did Skynet ever notice she was pregnant? Well, we tried to keep it a secret, but when she started showing, they informed me that after the birth, I would have to kill the baby. Otherwise, they would execute the whole cage. The baby came early, and Karen died giving birth. She didn't even get to see her child. I had to take action. Me and one other prisoner took the child, and we got to the disposal room, where we covered ourselves with dead bodies. Then we just lay there, waiting for them to throw us out. And they did. They dumped us outside the camp, ready for the grinder. Did they go after you? We heard an alarm, but we were already far away. They hunted us at first, but they had more important things to do than running after two nobodies with a baby. We ran to protect her, but deep down we were preparing for the worst. Anyway, you're healthy, right? And your bones don't look broken, so stop bothering me. Alors c'est un des points que j'apprécie bien avec le jeu, c'est en ce qui concerne les histoires de certains personnages. On sent vraiment qu'ils ont mis... Qui sont attelés à la tâche d'écrire quelque chose de convaincant. Après, t'as encore cette multiprise des enfers. Là. Alors qu'il y a certains personnages, c'est clairement, tu vois leur tronche, tu dis bon, d'accord, toi t'es là pour mourir. Quelle horreur. Ok, now sit. Roll over. Joue avec le chien. Non, bah du coup, on va aller voir le petit Patrick. Jacob, thank you for finding him for me.
I promise I'll take good care of him. Now, what should I call him? Oh mec, ce Wolfie, je ne sais pas. Alors Wolfie, c'est pas anodin comme nom, étant donné que c'est une référence à Terminator 2. Quand John Connor appelle ses beaux-parents pour savoir s'ils vont bien et qu'ils n'ont pas été attaqués par le T-1000, John entend le chien gueuler en fond. Et du coup, il le fait remarquer au T-800. Le T-800 lui prend le téléphone, prend la voix de John Connor. Et tout en ayant demandé le nom du chien, et donne un faux nom à la belle-mère de John, qui est Wolfie, pour savoir si c'est le T-1000. Malheureusement, elle fait que Wolfie va très bien, donc c'est le T-1000. Voilà, spoiler pour ceux qui ont pas vu le film, mais bon, je pense que vous. Du coup, on va dire Max. How about Max? That's a good name. I like that. En vérité, si vous dites Wolfie, il vous fait la remarque non, c'est moche comme nom. Donc, souvenez-vous, la première porte à crocheter est ici. D'ailleurs, vous pouvez voir la. Alors, on vous indique la difficulté du de la porte, mais aussi au niveau de la qualité du crochet. En fait, c'est pas mal d'avoir fait un petit référencement visuel. Hop, je récupère tout ça et on va se lire une petite lecture. Plus tard, je sais que j'ai promis de ne pas m'endormir, mais je n'en peux plus. Réveille-moi quand tu reviendras de l'hôpital, je vais juste piquer un petit somme. Visiblement, tout le monde veut aller à cet hôpital. D'ailleurs, Jennifer est partie devant sans attendre, donc on va pas trop tarder non plus, hein, parce que j'ai pas envie que Jennifer lui arrive quelque chose quand même, hein, parce que visiblement, c'est notre feu meuf attitré dans le jeu. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. J'ai bien fait de prendre 1 million de crochets. Normalement, là, je suis 20 de crochets jusqu'à la fin du jeu. Hop. Hop, hop, hop. Olé. L'autre. Normalement, on a tout vu. Ah, alors si... Pardon, j'ai oublié. On peut parler vite fait avec Laura. Hey, you're off again? I'll see you later. I'm gonna stay here and help Aaron. Ouais, j'espère que ce petit détour vous a plu. Alors, attendez, hop. Bah, donnez-moi de l'expérience. Alors d'ailleurs, attendez. Le point de compétence, on va le mettre dans quoi? On va prendre bon élève. Comme ça, 20% d'XP en plus, 30%. Alors, si ça se trouve, je vais regretter de mettre les points là-dedans, mais pour le moment, ça va. You wanted to talk to me? First of all, thank you for bringing me that toolkit. That bus should be ready in no time. Good to see you finally turn the corner. I wanted to talk to you. I'm starting to get worried about Jennifer. It's been a while since she left, and at my age, I try to worry as little as possible. If you see her out there, send her back, okay? How's that bus coming along? I'll make a run again, don't worry about it. Besides a couple of rusty rotors, it's got a whole lot of character. The question is, where do we go from here? Do you remember Judgment Day? I do. That's right, I'm that old. My memory ain't as good as it used to be. However, there are some images that stand out in my mind. My brother Tucker hitting on this lady guard, or people covered in mud. But for the life of me, I can't remember the name of that band. You have a brother? I did. Older brother. Well, he was a ladies' man. We didn't have tickets to the concert, but he knew how to charm a lady. She let us in. Well, him. I tagged along like I always did. Yeah, it was one of those outdoor festivals. When we got in, we decided to climb this metal tower to get a better view of the stage, you know. So as we're watching this band play their hearts out, we see a burst of bright, ugly light. I went blind for a while. What was it? It took me a while to understand what I was looking at. The atomic mushroom cloud wasn't something we were ever supposed to see.
my bloodshot eyes, the only other thing I could see clearly was people below me being crushed. The tower we were clinging onto started shaking. It finally gave in after the shockwave from the explosion. I closed my eyes and it started falling onto the people below. What am I thinking of? I'm usually a lighthearted guy. Why don't we talk about something more positive? Oh, God, I remember the name of that band now. It was Captured by Robots. Ironie quand tu nous tiens. Bon, bah du coup, voilà. C'était la dernière discussion qu'on avait avec. Bon, théoriquement, en ce qui concerne la planque, on a tout vu. Il n'y a plus de porte à déverrouiller. Tralala. Mais du coup, bah, c'est ici qu'on va se laisser. Donc moi j'espère que cette vidéo parlotte incroyable vous a plu. Au moins vous avez pu avoir un peu d'action au début, hein, même si ça n'a pas duré longtemps. Donc moi je vous dis à la prochaine et bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Cela dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Allez, à plus les enfants.